Un cinéaste qui regarde le monde doit toujours ou presque faire en sorte que ses films s'éloignent un peu du réalisme pour devenir dramatiques. Le cinéaste dont nous allons parler aujourd'hui traite ses films avec un humanisme et un réalisme des plus déconcertants pour beaucoup de cinéfilms, mais également des plus immersifs qui soient. Anton Corbijn est un réalisateur d'origine hollandaise qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 8 ans. Ce photographe très reconnu dans sa profession est un de ces rares auteurs de cinéma à livrer aujourd'hui des œuvres aussi singulières et réalistes que celles que forme sa filmographie, certes courte, mais particulièrement iconoclaste, chaque film explorant un nouveau genre, toujours de manière ultra réaliste. Étrangement, c'est en fonction du genre que les spectateurs aiment ou non un film de Corbijn, car son style ultra réaliste offre des visions assez puissantes de l'humanité et de ses actions. Ces films s'ancrent toujours dans notre monde et les actions de ces personnages sont représentatives de nos défauts et de nos passions les plus destructrices. Si Corbijn ne déboussole énormément, c'est avant tout dû au fait que ces films ne prennent jamais le penchant cinématographique de leurs personnages, mais toujours le penchant humaniste, prenant ainsi l'immersion à l'introspection du spectateur. Ainsi, lorsque l'on est face à une œuvre de Corbijn, on se retrouve avant tout devant notre quotidien et devant des erreurs ou des situations que nous connaissons presque par cœur. Évidemment, Corbijn se nourrit avant tout de cela pour livrer des films qui se construisent autour d'un personnage qu'il érige en icône cinématographique, mais toujours de manière réaliste. Les situations qu'il peint sont presque anti-cinématographiques, si on veut être précis, comme si une action majeure dans la vie de son personnage n'était pas le point de bascule dramatique essentiel selon lui. À l'image de ses personnages et souvent des êtres humains, il retient avant tout ce qui entoure l'événement marquant de ses héros, et non l'action en elle-même, donnant ainsi lieu à la fois à un effet dramatique puissant, mais également à une construction émotionnelle plus intime de son récit. L'action se présentant ainsi sous la forme d'un quotidien simple, Corbijn ne peut alors délicatement et subtilement distiller son ambiance réaliste et son penchant pour l'intimité affective. Le regard de ce cinéaste sur le monde est unique, puisqu'il fait en sorte au cours de ses films et de ses récits d'évoluer de manière à rester fidèle au monde qui nous entoure, mais également de créer un univers cinématographique derrière. Plus le genre a tendance à être anti-cinématographique, plus Corbijn ne va vouloir en explorer les limites pour mieux créer un univers cinématographique qui va nous toucher de manière indicible. Trouvant alors un compromis superbe entre l'émotion et la sensibilité humaine, ainsi que la fidélité dramatique que se doit un film de posséder, Corbijn ne parvient alors à saisir un cinéma brut, un cinéma intense et un cinéma qui prend aux tripes. On ressort d'un film de Corbijn souvent lessivé par cet humanisme prenant et violent, et on ressort surtout avec une image baignée de réalisme du cinéma, comme si on pouvait nous aussi rencontrer et faire face à de telles aventures. Plonger dans un film de Corbijn, c'est accepter de voir notre quotidien violenté et manipulé pour être mis à nu comme une forme de fiction cinématographique, le cinéma devenant ainsi la vie. Passionnant et étouffant à la fois, Corbijn parvient au travers de ses films à saisir un humanisme profond et puissant, celui du quotidien.